Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Fashion's Life, votre émission des modes et tendances. Nous continuons cette merveilleuse Fashion Week prête à porter femme pour la collection automne-hiver 2011-2012. Et nous sommes ici pour assister au défilé Guy Laroche. Et oui, c'est la première fois que Moon One Télévision et Fashion's Life sont invités pour assister à ce défilé. Vous allez voir que les silhouettes sont très épurées, très géométriques, mais avec un petit peu de fantaisie, c'est Guy Laroche. Alors, je vous souhaite tout de suite un très bon défilé, c'est pour vous, c'est toujours sur Fashion's Life et Moon One Télévision bien sûr. Évidemment Martial qui nous reçoit dans son backstage pour nous expliquer un petit peu ce merveilleux défilé encore revisité. Alors oui, je pense, enfin bah, déjà bien moi et ouais. Évidemment maintenant c'est la 7e collection que je fais je pense, oui. Et évidemment au début on est un peu hésitant, un peu voilà, et plus on prend ses marques, donc je pense que l'adéquation entre Guy Laroche et ce que ça doit représenter et mon travail, pourquoi on m'a donné, ouais, voilà. Je pense qu'ils s'emboîtent là, cette collection, je pense que c'est assez bien emboîté. Ouais. Au niveau des silhouettes, on remarque quand même une thématique qui évolue, quoi, qui prend de l'âme, comme vous l'avez dit. Et puis, au niveau des choix des matières, on travaille dans la fourrure, mais pas n'importe quelle fourrure. Bien sûr. Alors, déjà, la première, c'est de la chevrette, c'est de la chèvre. Et la plus fine possible pour... Mon idée, c'était est-ce qu'on peut utiliser de la fourrure comme t-shirt ou voilà, comme quelque chose en dessous des vêtements, enfin comme voilà. Il y a des manteaux où il y a de la fourrure, du cachemire, voilà. de la soie ouatinée, enfin voilà. Et ça, c'était un hommage à Soulage avec des noirs de textures différentes. Puis enfin, des silhouettes assez graphiques. Alors ça aussi, parce géométrique, graphique. Oui, voilà, ça c'était un hommage à Poliakov ou Mondrian, enfin voilà, parce que la base de la collection c'était le monde de l'artiste avec ses femmes, ses maîtresses, ses modèles, enfin. Quoi. Dernière question, j'ai vu aussi que vous aviez un choix de mannequin pour votre cabine qui était résolument, c'était quand même particulier, je veux dire, vous avez une silhouette qui est Guy Laroche, hein, qui l'a. Bah, je pense que un casting, le choix des mannequins, c'est vraiment lié à
à celui qui fait le casting. Ça, c'est le genre de femme que j'aime, qui au premier abord a l'air un peu difficile d'accès, mais qui, une fois qu'on l'approche et qu'on commence à la connaître, elle est passionnée. Elle a, voilà, donc, voilà. Un peu secrète, mais qui se laisse découvrir. C'est un peu les ruines hitchcockiennes, c'est voilà, tout ça. Bah, écoutez, merci beaucoup. On va vous laisser profiter de vos amis qui sont venus vous féliciter. Merci à vous. Merci beaucoup.